ni bai kan sai mun kwai gini ku bai ai kai gi hinni sai nun ware kwasa wow fa ku fa yomi wow mamma je ta da mun shi sanin mun alon Maimuna Maimuna ni mama kai mu Wow, mama, c'est délicieux. Ah ben, pour une seule année, c'est le mec bec noir quoi ça. Maman, et papa, il ne mange pas avec nous. Hey, Borad, nous, on gagne nos bons. Tu auras félicitations pour le bac. Merci ma chérie, félicitations à toi aussi. De rien, merci aussi. Alors, quelles sont les nouvelles? En fait, je suis venue te dire que Mouna est revenue de la France. Si tu as le temps demain, on va lui souhaiter bonne arrivée. Mouna? Quel Mouna? Mouna avec qui on a fait la troisième. Elle est partie juste après le brevet et maintenant, elle a déjà sa licence en droit. Ah bon? Mais ça c'est une bonne nouvelle. Alors tu reviens demain, on va partir la voir. Ok, toi. T'as le cool, si. T'as le cas, quoi, tu auras. Tu auras, elle, quoi, Emile. Toi, fais la santé. Je suis prête, papa, on peut y aller? C'est quoi ces histoires? Premier jour de stage, ton premier jour de stage, tu vas porter une tenue indécente? Alors là, il va te falloir m'acheter des nouvelles tenues. Abdul, ouvre-moi la porte, je m'en vais. Maimouna! Maimouna!
Pardon, mais vraiment, je ne vous ai pas reconnu. Hey, Mouna. Aïno Kadija Moussa Kaindar en tes troisième Pierre Bendy. Déjà. Ah, là, je vous reconnais. Mais comment faites-vous pour porter ces trucs-là avec toute cette chaleur qu'il y a dans votre pays? Il, on est habitué à ça. C'est bien. Hey, Mouna, ni kanga ba donu. Kani ko nodi matanon go tiaringa. Pardon? C'est quoi donu? La boule. Mouna, raconte-nous ta vie en France. Ben, pas maintenant. Là, je ne suis pas dans mon assiette. Comme tu le vois, je dois commencer mon stage aujourd'hui. Et à cause de ma tenue, mon père m'a empêché d'y aller. Il a raison, ton père. Ah bon? Oui. En tout cas, moi, je ne peux pas porter vos trucs là, avec toute cette chaleur qu'il y a dans votre pays. Attends, Mouna. Tu es blanche ou noire? Pourquoi cette question? Tu n'arrêtes pas de dire chez nous et toi, c'est où chez toi? Ok, Mouna, il y a quoi? Après, il y a quoi? Ok, attendez-moi, j'arrive. Hey, Chora, ni dis mon comportement. Ay di wallahi Chora, mo musadi da ni an sare labu goradi no materiali. Je fahamda. Ay wakai di acin na goda inda chorta ras continue. Hey Aisha ni mo musa har ka complete me. Ah ay di kai barai din dumano kan hausi di ne ba bai sai papa ci ma papa ci ma. Aisha. Ok, vas-y sur la table de l'atelier, tu verras 300 francs et puis tu m'achètes, ok? Il faut n'y guiner, c'est beaucoup là. Comment dirais-je? Dambou et copte maman. Ok, ça marche. D'accord. Dis Mouna, tu comptes retourner en France pour continuer les études ou rester chercher du travail ici? Je ne sais pas pour le moment, mais je préfère 100 fois là-bas qu'ici, et surtout avec mon père qui veut contrôler le moindre de mes mouvements. Tu sais, ici, une jeune fille, tant qu'elle n'est pas mariée, tes parents exercent une surveillance quotidienne sur toi. Mais on est majeur, on n'est plus des gamines. Franchement, je me demande quand est-ce que vous alliez évolue et laisser toutes ces vieilles traditions. Tu as le temps demain, tu passes chez moi. Il y a ma mère qui demande d'après toi. Ok, il n'y a pas de problème. J'espère que ce n'est pas lui à pied. Ah non, non, c'est pas lui. Ok, toi. Bon, je vais aller. C'est moi qui fais la cuisine ce soir. D'accord. Moi, je te raconte pas. Thank you.
Ah non, maman. Franchement, je ne sais pas faire ça. Je ne l'ai pas fait il y a 10 ans de cela. Bonjour maman. Oui, ça va très bien, merci. Ok, aïgono, wallahi. Maintenant, merci beaucoup. Ami, ça va? Ça va. Ça me va là. Ami, mais moi je ne l'ai jamais vu auparavant. Oh, Ami, ni de rien à gano. Ah, ok. Non, je ne me souviens pas. Aïgono, ciao, ciao, bandi. On a fait la troisième ensemble. Hanigdira. Ok, je ne me rappelle pas d'elle. Hein. C'est bien, normal. Okay. Ami, bonjour. Bonjour, ça va? Salut, ça va? Et les études? Ça va. Ok, toi, Dieu, merci. Alors. C'est comment la vie de là-bas? Ouais, ça va très très bien. Le climat, tout ça. Ouais, ça va. Le climat de là-bas, ici, C'est mon ami, merci. S'il te plaît, je peux avoir de l'eau minérale. Mais ça aussi, c'est de l'eau, non? Non, non, merci, je ne peux pas boire ça, c'est dégueulasse. Regarde là où le canari est exposé. Et puis, vous buvez avec le même gobelet. Vraiment, moi, je ne peux pas boire ça. Non, moi,
Mona, tu exagères. Si ça va nous tuer, donc tu n'allais pas nous retrouver comme ça en santé. Non, merci, c'est bon. Ok. Donc, wind bund ne ya kan ay kan dorse. Ah, il y a quoi? Mon ami. Déjà, c'est quoi ça? C'est du wind bund. Wind bund? Oui, tu as oublié déjà? Si je me rappelle bien, oui, ça veut dire me. Nous on ne donne pas rien bon bon si fun France dinga ba. Fun bien ara, il chora tonir mir ko yente. Aïcha, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as giflé mon invité? S'il te plaît, ma chérie, excuse-moi. Je ne sais même pas pourquoi elle t'a giflé. Tu sais, Aïcha, elle est de nature brute. Je ne l'ai même pas invitée. Elle est venue par hasard. Inch'Allah, je vais lui parler. D'accord? Mais Mouna, qu'est-ce que tu fais? Khadija, je veux te demander un service. Quoi donc? Il faudrait que tu me trouves là où on vend de l'herbe. Je ne comprends pas. De l'herbe? Comme vous le dites ici, Kwaya. Ah non, Mona, vraiment, tu vas loin. S'il te plaît, mon ami. Désolée, je ne peux pas. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, fais-le pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît. J'avais un copain qui voulait m'entraîner dans ça et j'ai rompu avec lui parce que j'en pouvais pas. Si tu veux, je te passe son numéro. Mais attention, il se sert d'un code pour les affaires. Vite mon ami, s'il te plaît, donne-moi le numéro et le code. Vite. Prends le numéro 00 84 44 code KC 0 24 04. Ne lui dis pas que c'est moi qui t'a donné le numéro. S'il vous plaît, j'ai besoin de son nom. Ah bon, babo naha. Tabane akoy. Oui, ça marche. Je veux 5. Tu peux me dire où on peut se voir? Katay bangobana akoy plaque BB12, que chez Kitol Kinan, kana samshi. Et combien je te dois? Tu payes 70 balles. D'accord. OK. Oui, merci. Ouf, mon ami, tu me sauves. Mais dis-moi, 70 balles, c'est combien? 70 000 francs. Ah, ok. Guy, tu connais cette adresse? Oui, oui, mais je ne peux pas y aller. Je vais t'indiquer l'endroit. D'accord. Thank you.
Première place. Okay. Je suis Mouna, la fille de Django Maiga. Effectivement, ton père m'a parlé de toi il y a longtemps. Tu as ton CV avec toi? Oui, oui. Oui. Très bien, tu commences tout de suite. Avant, j'ai un exercice pour toi. Tu vas me donner la définition de ces trois termes, le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance. Je te donne 15 minutes. Tu vas dans la salle d'attente. Si tu finis, tu me fais signe. Ok, merci. Abubuwan da muke gani cikin tele cikin film shine ake gida na yau la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai hawundi wallahi ni sai hawundi irmin san balla buwa ni mu koi kyau haikan koi kyau ga kanu wala gisiga bar mai fa wallahi asiti yindo ra wodi wo siti asiti ni sai hawundi ni kaina wallahi asiti souvenir d'une de mes amies. Une nuit, on était partis en boîte. Au retour, elle conduisait dans un état d'ivresse. En fait, on était tout ivre. Et on avait eu un accident de circulation. Elle était morte sur place. Mais moi, j'avais juste quelques égratignures comme j'avais porté ma ceinture de sécurité. T'inquiète, ma chérie, ça va passer. Ne pleure pas. C'est bon. Mon ami, je te jure, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais toucher ni à l'alcool, ni à la cigarette. Je te le promets. Ah bon, Mouna, tu es sûre? Ok, quand même, c'est une bonne idée. Je t'encourage vraiment. Tu sais, tu peux toutefois compter sur moi. Merci pour ton amitié. C'est fini. Après-demain, j'invite toutes les autres camarades ici. Je crois que je leur dois des excuses aussi. Quand même, c'est une bonne idée. Vraiment.
J'espère qu'elle ne va pas nous faire un de ses numéros. Sinon, je la tabasse et je retourne chez moi. Votre attention, s'il vous plaît. Waouh! Mes chers amis, je vous remercie d'avoir répondu massivement à mon invitation. Mais avant de commencer mon discours, je vous demande une minute de silence à la mémoire d'une amie qui m'est très chère. Une amie que j'ai perdue dans un accident de la route. Merci bien. C'est pour attirer votre attention sur un phénomène. Nombreuses sont les personnes qui émigrent vers l'Europe pour échapper à la persécution, aux contraintes sociales de leur pays, pensant trouver une vie meilleure là-bas. Cependant, une fois là-bas, certes, d'autres réussissent, mais la plupart rencontrent d'énormes difficultés. En Europe, les émigrés sont victimes de marginalisation, de persécutions policières pour faute de papiers, problèmes de logement, d'exclusion, d'xénophobie, etc. Certains sont partis en exode et d'autres pour des études de 2 à 3 ans et ont plus de 20 ans. Ils ont été tentés par des choses qu'ils n'ont jamais obtenues et maintenant, ils sont devenus des sans-papiers. Ils ne sortent même pas le jour. Combien sont-ils nos frères qui se suicident là-bas par stress? Combien sont-ils qui se sont donnés à la drogue, à l'alcool, juste pour surmonter les épreuves dures de la vie de là-bas? Combien sont nos sœurs qui se prostituent là-bas juste pour gagner de quoi survivre? Alors, mes chers frères et sœurs, ayant été témoin de ce que vivent certains de nos compatriotes là-bas, je vous recommande simplement de rester chez nous, travailler et surtout mettre en valeur nos cultures. Car comme le disait un président africain, produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons, car c'est la seule façon de vivre libre et digne. Certes, ici, nous sommes pauvres, mais il y a au moins la solidarité qui nous caractérise. Mes chers amis, je vous demande de m'excuser pour mon comportement des jours passés. Je n'avais pas les pieds sur terre, mais ce sont les larmes de ma mère qui m'ont ramené parmi vous. À présent, je vous dis plus jamais ça. Enfin, pour répondre à ta question de l'autre jour, Aïcha, je te dis tout simplement que je suis noire et fière de l'être. Je vous remercie.